Bonjour à vous. Bienvenue dans la plus belle journée de votre vie. Voilà deux coqs qui bagarrent. Regardez-les, regardez-les. Regardez, regardez. Regardez. Ils vont passer toute la journée ici, là. Ils vont se bagarrer entre eux. En fait, les coqs expriment ce que les hommes, les êtres humains, là, ils cachent. Tu vois un coq arriver dans un endroit. Il voit les autres. Dès qu'il trouve son mougou là, il ne veut pas le laisser. Il est derrière lui, le pique tous les jours. Il le pique. Il le pique. C'est pour la femme, non? Toi-même, tu crois quoi? C'est pour la femme. Souvent, il y a des gens qui te détestent pour rien. Tu me trouves. Vous vous rappelez d'Anatole et Balthazar, non? Anatole, c'était le beau mec galant. Le beau coq galant qu'on avait à Makep l'année passée. Un jour, Balthazar traverse la barrière. Il voit Anatole avec 9 poules dans la concession. Et il a dit que jamais. Il a commencé à poursuivre Anatole toute la journée. Un jour, il le tape. Deux jours, il tape Anatole. Le troisième jour, Anatole s'est levé sur lui. Le taper comme ça là. Balthazar restait toujours sur le portail. Quand il arrive, il reste en haut, au-dessus de la barrière. Quand il voit Anatole est loin de l'autre côté de la concession, il saute, il monte sur une de ses femmes. Quand, le temps qu'Anatole court pour venir. Je vois le cinéma là-bas. Quand Anatole coupe pour venir, il remonte sur la barrière, il fuit. Comme ça, vos ennemis, ils vont seulement voir votre derrière maintenant. Ils vont plus tenter de prendre vos choses. Moi, je pense que les animaux, ils lisent très bien ce que les êtres humains cachent. Les êtres humains sont très mesquins. Très mesquins. Envieux. Quelqu'un voit, il dit, mais pourquoi tu as tout ça, moi je n'ai pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle il te déteste. C'est tout, hein. C'est tout. C'est pas que tu lui as fait quelque chose. Bonjour, bonjour, oh, bonjour. Spirituellement, septembre est très chargé. Et je n'ai pas arrêté de le dire depuis l'autre jour. Depuis qu'on a fait la pleine lune, le rituel de pleine lune, on est entré dans le 1er septembre en plein rituel terrible. Et n'oubliez pas que c'est aussi le jour où, de leur côté aussi, les gens de l'autre côté, qui ne sont pas de la lumière, bien sûr, eux-mêmes, ils faisaient aussi leur part de pratique. Je passe mon temps à vous dire que vous êtes arrivé à un niveau où les gens vont vous voir, ils ne pourront pas vous toucher. Je sais que tu crois que les gens ne voient pas tes choses comme ça en train d'avancer. Ils te voient. Ils te checkent. Et ça va se faire qu'ils cognent ta tête pour que tu comprennes. Maintenant, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Je sais que l'ennemi fonctionne. Même si la personne ne te suit pas sur les réseaux sociaux. L'ennemi va s'assurer que quelqu'un vienne dire à la personne. Quelqu'un va le voir pour lui dire. Ou la voir pour lui dire.
Ta tante qui ne voulait pas que tu partes en Bengla. Tu t'es caché depuis, tu t'es isolé. Certains vont t'appeler pour te féliciter que c'est bien, tu as ouvert déjà. Que waouh, tu as ouvert. Donc les gens qui me suivent, qui sont toujours, je peux vous dire en 3 jours combien de personnes j'ai rencontrées qui me connaissent. Qui peuvent me donner la recette du sel, mais qui ne se lavent pas avec le sel. Vos grosses têtes. Ils portent leurs pieds, viennent me voir. Vous voulez me voir pourquoi? Je ne vais pas vous maîtriser. Et tu dis que beaucoup d'entre vous, vous êtes... Vous me suivez, mais vous êtes des vampires spirituels. Vous êtes des Decepticons. Pardon. On dit que ta boutique est bien chargée. Ça veut dire que la personne a mis la caméra dans ta boutique. Oh là là. Vous avez essayé avec moi, vous avez vu que vous ne pouvez pas être dans mon DM tous les jours. Dans ma boîte. Oui, ma reine, j'ai ça. Oui. Les poils de mes cheveux. Dans les, tu vois tes cheveux, non? Il y a les poils sur tes cheveux. Les poils de mes cheveux me font mal. Je cours. Je vais faire comme ça. Les paupières me font mal. Je dis, fais comme ça. Quand tu vois que ça ne marche pas. Vous n'aimez pas l'indépendance spirituelle. Il m'écrit depuis peut-être 2 semaines. Je sens comment elle venait souvent à la directe. Après, elle ne vient plus. Le premier signe que vous allez voir est ma page va d'abord vous énerver. Signe numéro 1, commence à voir que je suis possédé. La tête de la reine lumière m'énerve. Tu vas laisser t'énerver pour rien. Oh, elle bavarde trop. Elle énerve. Elle est comme quelqu'un. Je peux m'en sortir sans toi. Tu peux chercher un numéro de un des sceptiques qu'on avait lequel je travaillais l'année passée même. Vous faites la réunion sur moi. Et oui. Eh quoi, mon qui? Vraiment, moi je te suis, hein. Roi tel, reine tel. Oui, vraiment, c'est toi. La femme a croyé même quoi? Tu as même vu les prix qu'elle fait aux gens. Vraiment. Écoutez, je vous connais. I don't know you. Je vous connais, bling bling. Client, moi là, mettre mon cœur sur client. Never ever. Les clients vont te ghost, ils vont te blank, ils vont t'ignorer. Ils sont venus, tu leur as dit la vérité. Comme ils voyaient que ce sont eux qui te donnaient, je lui donne 350 000. Vraiment, comment est-ce qu'elle peut se permettre de me dire ça? Non, ma chérie, tu t'avais un Decepticon. Il te bloquait, il te dit que hoha. Tu voulais qu'on travaille pour qu'il reste avec toi. Tu dis que non. Va appeler roi ou reine telle personne. La personne a fait. J'avais une ici un jour pendant le direct. Le temps là, je parlais encore avec le Decepticon là. Elle n'apparaît plus. Je ne l'ai même pas bloqué, mais elle n'apparaît plus. Dieu merci. Les vieilles femmes aigries de 42 ans, 45 ans qui sont en France là. Hey, la France est... Yeah. Vieille femme 45 ans aigrie. Je lui fais une lecture. Après, elle me dit, vraiment, moi, je me reconnais pas dans ce que tu dis. Vraiment, je ne sais pas de quoi tu parles. Je dis, ok, envoie tes détails, je te rembourse alors. Elle n'envoie pas. 2-3 jours plus tard, elle appelle le Decepticon. 45 minutes de conversation. Après, le Decepticon travaille pour moi. Je prends le téléphone, je regarde. Il dit, attends. Je compare les numéros. Il dit non, elle voulait seulement un renseignement. Tu sais, comment ça se trouve que c'est le jour où je contredis cette femme sur quelque chose?
qu'elle pense que soudainement elle a une révélation, elle pense qu'elle va appeler un de mes collaborateurs. Ne venez pas tenter les gens avec qui je travaille. Je vous préviens d'abord. Je sais que vous me guettez. Vous voyez la femme, c'est là comme je suis là. Je ne peux pas tomber. Vous n'avez pas encore compris ça? Que ça rentre dans votre tête. Je deviens belle de plus en plus. Vous ne me voyez pas. Regardez bien. Regardez. Jalouse que vous êtes là. Excusez-moi, je dois adresser certaines méchantes femmes ici. Mauvais cœur. Suceuse d'énergie. J'ai adressé direct. Elle ne m'a plus jamais contacté. Tu les reconnais toujours? Non, j'ai les dons. Je peux déjà. Mais moi aussi, l'esprit m'a parlé. Si tu as parlé, pourquoi tu vas me contacter? Pourquoi tu me contactes? Suceuse d'énergie. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Un jour, je suis avec une autre. On est en train de partir pour que je la dépose sur la chaise. Et vous savez pas les risques spirituels qu'elle prend souvent. Certains là, vous avez des gros serpents bizarres sur vous. Qui vous bloquent. Et c'est vous-même qui permettez avec votre mauvais cœur. Je sors de la voiture pour aller acheter quelque chose à la boutique. Elle reste, elle dit à un de mes fils qui est avec moi. Elle commence à demander son numéro. Je dis que wonderful. C'est après qu'il me dit. Mesquine comme tout. Mais donc, j'ai fait un business de 200 millions. Tes millions ne m'impressionnent pas. Va impressionner peut-être les jeunes là qui sont autour de moi, mais pas moi. Mm-mm. Et c'est pour ça que tu vas les voir. La Bible dit que elles ont une puissance, ça ressemble à, mais ce n'est pas. It looks like, but it's not. It looks like. Parfois quand tu la prends, tu travailles sur elle. Je dis que non, le travail, c'est que je connais ma... Écoutez, je connais mon travail. Je connais qui m'a appelé. Je connais ce que ça appelle à faire. Tu vas prendre le genre de femme aigrie là. Tu fais le premier travail. Après, tu wanda. Je sais que A plus B, ça donne C. Pourquoi si tu n'as pas, ça ne donne pas? Le facteur du cœur de la personne n'est pas bon. Tu mets Asso, son cœur est noir. Noir! Florence, c'est... Même ton petit-fils, là, oh, il est très mignon. C'est comme ça que vous baladez. On ne sait même pas quelles entités sont derrière vous. Vous passez de prophète en prophète pour prendre leur énergie. Sur moi, là. Tu t'amuses de mettre dedans. Je te tue. Je vous préviens. Je dois faire la pause ici pour bien vous adresser. Ne blague pas avec vous. Il y avait une autre en France comme ça. Elle me contacte. Oh, ma belle-mère, ah, mon mari, ah, se plaint de tout le monde. Quelqu'une qui passait son temps à m'écrire, donc elle ne pouvait pas faire deux jours sans m'écrire. Et quand vous m'écrivez trop, vous êtes trop gentil avec moi, là, moi, je vous guette à distance. Moi, je vous guette seulement. Je vous guette. Je fais seulement ça là. Je vous connais. Du jour au lendemain, j'écris encore, demain que c'est comment. Les enfants, comment, elles me ghostent, elles m'ignorent totalement. Mais je l'ai bloqué. Je ne veux même pas que tu vois mes statuts, je ne veux même pas. Que l'esprit qui est venu avec toi là, que ça reparte. Back to sender. Et je vous dis, c'est pour ça que vos choses ne marchent pas. C'est pour ça que vos choses ne marchent pas. La Bible dit que les gens vont venir te servir volontiers. Volontiers. S'il te plaît, non, personne ne m'aide. Bah, ton cœur est noir. Et ces femmes-là sont très jalouses des jeunes filles. Faites très attention.
Parce que j'ai plein de petites jeunes filles là qui me suivent, belles comme ça là. Aïe, j'ai vu une autre à Yaoundé là hier. Aïe. Entrepreneur, ambitieuse, belle comme moi. Attendez, elle risque qu'elle se lève mes pieds. Mon oiseau au village et j'ai ri seul. Belle. Tu vois la petite fille comme ça là. Ce que lui sous son corps donne. Elle dit que non, j'ai fait mon kit fondation. 26 ans comme ça là. Mesdames, laissez. Laissez. Votre cœur encore plus. À l'âge là, c'est encore plus. C'est les bas 40, 42 ans là que... 47 ans. Vraiment. Vous venez de décourager les enfants. Tu vois une jeune fille, tu la décourages. Tu la décourages. Moi, je ne suis pas décourageable. Vous avez essayé, vous avez vu ça donner quoi? Moi, là. Je vais aller faire ma chose et fais-moi, pardon. En sachant que, en te disant que je suis là-bas. Tu me vois seulement là-bas une fois. Tu viens chez moi, tu vois que mes choses ont avancé. Tu me vois que je suis à partir dans tel pays. Et qui est? Quand ils vous l'annoncent que le degré où vous êtes, ils ne peuvent plus. Ils vont vous voir seulement à la télé. Vous voulez que vous disent combien de décès tu congédies dans ma famille? Vous voulez que vous disiez combien j'ai dans ma famille? Les gens qui m'ont élevé, ils ont changé ma couche, ils m'ont tapé. Ils m'ont tapé, ils m'ont corrigé. Quand mes dons ont commencé à s'ouvrir, c'est l'intimidation que tu as voulu voir. Jalousie, intimidation. Dieu dit que jamais. Je me rappelle clairement. Quand j'ai décidé, jusqu'à j'ai le numéro de personne d'entre eux. Je ne dirais même pas de quel côté. Fraternel, maternel, peu importe, je ne dirais pas. Je n'ai le numéro de personne. Nobody. Si mon succès te gêne, on a rien à se dire. Et je peux vous sentir. Je peux vous sentir. Tu es ma tata, c'est vrai, mais tu es mon tonton, ma tata. Mais je peux sentir. Vous pensez que quand vous allez commencer à monter là, ils vont venir comme les vautours autour de vous. Passer par votre père pour vous influencer. C'est avant qu'on faisait ça. Tu ne peux plus passer ni par mon père, ni par ma mère pour m'atteindre. Tu as menti. Jamais. Le tout, c'est comme tu te lèves, ma chérie. Tu as fait 5 mariages qui ont échoué avant, non? On t'a fiancé 50 fois, on est parti. On est venu toquer la porte s'est cassée. Le tout, si tu vas avancer. Il y en a qui te disent même qu'on t'attend le jour où on va venir te doter ici au village. C'est le jour-là qu'on va gâter. Ils ont menti. Vous allez arriver pour votre dos, ils sont assis comme ça là. C'est comme si on les a attachés. Parce que ta bataille, ça sera passée d'abord dans le spirituel avant que tu n'arrives. Que la nuit d'avant, là, qu'on l'a tapé dans le sommeil comme ça là, elle se lève. Ouais, vraiment. Moi, ma part de spiritualité, c'est là. Dieu me donne que les idées qui me font toujours rire. Mais je sais que c'est le combat de quelqu'un. En arrivant là-bas au village, que la tante là, elle se réveille le matin, elle n'arrive même pas à bouger du lit. Et c'est le fou là qu'on vient te doter. Elle s'assoit seulement dans la cour comme ça là. Elle tue le soleil, comme on dit en patois là, elle tue le soleil seulement. Le soleil frappe sur elle. Quand vous venez, on dit bonjour, oh tia. Elle fait seulement comme ça là. Parce que là où elle est là, il y a deux anges postés à côté d'elle qui sont en train de l'attacher. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas encore. Vous finissez, vous partez. Jusqu'à la dernière personne du convoi est partie. C'est là que son corps se détache un peu comme ça là. Elle se lève, elle marche un peu. Commencez à comprendre qui avez-vous. Commencez à comprendre. Moi, une blague que tu avais, je deal. Mes anges d'abord ne blaguent pas. Hein. Moi, j'ai des anges trop. Le concept que vous avez que les anges sont gentils. Oh mon ange. Les anges sont faits pour la bataille. L'ange descend pour exécuter. Laissez-moi votre truc de romance là. L'ange est romantique. L'ange n'a pas le cœur. Il fait ce qu'on lui dit de faire. S'il faut tuer, il tue. Oh, un ange m'est apparu. Il était gentil. Il était. Qui t'avait aux bêtises là? Vos décepticons vont lire sur vous. Ils vont dire que c'est ta femme là que tu écoutes. C'est elle que tu écoutes sur les réseaux sociaux là. Oui. Je viens vous dire ce que vous avez en vous.
Et quand il te parle, tu sens comment ton corps fait que... Ok, j'arrive. Je vais dealer avec le couscous là. Couscous sauce tomate. Je vais dealer avec ça. Avec le munga. Si tu devais seulement mourir à cause des incantations qu'on a fait sur toi, c'est que tu es mort 50 fois. Mais tes anges étaient là. Protection. Protection. Panglang. Protection. Panglang. Ils sont là. Protection. Pang. Tout ce qu'il a réussi à faire, il t'a seulement il t'a appauvri. Il a fait, tu n'as pas fini ton diplôme. Mais ton corps, là, il n'a pas pu te toucher. Il a fait, tu as commencé le business, tu as arrêté. Tu as commencé, tu as arrêté. Et maintenant, le tous, hein. Souvent, vous allez vous voir dans le rêve, non? Vous bagarrez avec eux. Le tous, là, vous allez les taper. C'est un appareil, même pas d'abord pour taper avec vous. Vous les foutez bien, même. Moi, les fesses sont les gifles. Voilà. Il se lève le matin et qu'il vient pas à la réunion familiale. On dit, mais tonton, c'est comment? C'est vous qui pensez que tout le monde vous aime. Moi, il a accepté. Rien, ça ne me dérange pas. Il cherche à voir que vous aimez. Vous m'aimez, pourquoi ne m'aimez pas? Il y a trop d'amour là-dedans. Quand j'aurais dû me pas faire journaliste, j'ai commencé à travailler dans une radio là. Mais ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on te donne ce que tu dois dire. Moi, quand l'esprit m'a fait sortir de ce monde là, mais l'esprit m'a dit que tu vas dire ce qu'on te dit de dire. C'est pour ça que vous avez vu, je n'ai pas continué. Je passais ici dans les radios et les télés. Régulièrement. Mais ça m'énervait parce qu'il faisait que. Il me faisait. Tu arrives, non? On te donne le sujet du jour. Tu n'as pas le choix. Oh, ce que je vous enseigne aujourd'hui là, ça brûlait dans mon corps. Je mourrais d'envie de vous dire que, de dire ça aux gens à la télé. Ils m'ont dit, va créer ta chaîne. Ce qu'on te donne, tu vas dire. Et c'est ce que je t'ai fait. Isn't she lovely? Hey. Hey, hey. J'ai des musiques qui sont dans ma tête comme ça au hasard. Il y a les endroits que quand vous étiez petit, on est parti vous enfoncer. Si bien que tu es même encore vivante contre toute attente. Monsieur le coq, qui est là-bas? C'est quoi? Hop. Lou. Voilà. Viens chanter cela. Il pense que c'est au journalisme. Là, c'est seulement moi qui parle ici. Le genre de flèche qu'on avait prévu pour toi dans ta famille. Hein. Ta mère ne savait même pas. Mais ils avaient prévu que tu meurs, tu te suicides même à 20 ans. Ou bien tu tombes enceinte et puis tu, en accouchant, tu meurs. Voilà ce qu'on avait prévu pour toi. Et non. Ta mission était tellement puissante. Tes anges étaient tellement forts. Si bien que la personne même qu'on devait, qui était censée t'opérer à l'hôpital, en t'opérant, il priait. Donc les anges se sont arrangés pour que partout, on te positionne toujours les gens. Je vais reprendre les interviews. Vous voyez, l'affaire d'interview, là, Dieu m'a mis ça à cœur depuis 2016. Mais je ne veux pas interviewer les gens pour qu'ils viennent... raconter comment ils ont 100 millions de francs CFA ou bien des autres business. À... Non. Moi, j'ai une vision différente. Je veux que la personne montre comment
Et c'est quand ça va sortir, vous allez voir. Je suis là sur le projet. Et je veux pas interviewer les gens qui sont trop au top là. Tu sais que tu peux voir le succès. Quand tu vois quelqu'un, tu peux savoir qui va réussir. Ce sont les gens là, comment ils veulent prendre. Je suis dans nos finales l'autre jour, il y a une femme qui m'a marqué. Je dois commencer par cette dame-là. Elle m'a dit que sa mère l'a cherché pendant 15 ans. Et sa mère voulait, son père voulait un garçon. Le premier garçon était handicapé. 15 ans plus tard, sa mère l'accouche. Cette femme, dans son orphelinat, les enfants de 12 à 15 ans tournent le béton. Ils font la dalle. Oh là là. Je vais commencer. C'est le genre de personne, comment elle veut. Donc, elle te dit comment elle a porté l'orphelinat là sur sa tête. Et tu la vois là, pas 40 ans. Hein. Elle n'a pas 40 ans. Elle te montre comment elle fait que les enfants là, la prière. Comment les enfants là sont dans la prière. Je veux mettre l'accent sur les agents de lumière qui ne sont pas connus. Voilà ce qui est dans mon cœur. Il y a les gens que vous avez les associations. Vous êtes cachés quelque part là, on ne vous connaît même pas. Mais vous sauvez des vies chaque jour. Je ne suis pas là sur les feux de jeu, je ne cherche pas la célébrité. Quittez vos bêtises là. Je suis là célèbre. Je suis déjà célèbre, non? Je vais encore chercher la célébrité, pourquoi? Il y a l'argent, je vais chercher l'argent, pourquoi? Les agents de lumière doivent s'activer. Connaître l'histoire de quelqu'un et voir ce qu'elle a traversé. Franchement, quand la femme a raconté son histoire le jour-là, je suis allé dans quelques orphelinats, mais on arrivait au premier, il n'était pas là. La maman n'était pas là. On ne jouait pas là avec les enfants. Deuxième, la maman n'était pas là. J'ai parlé avec les enfants. Troisième, elle est quittée de là où elle était quand elle a su qu'on venait. Je crois qu'elle travaille à Bonanjo. Elle est venue. J'ai passé 45 minutes là-bas, franchement. Elle montre comment on avait donné l'argent à quelqu'un. On donne l'argent que vient carreler l'orphelinat. Il paye, il mange. Et là même, elle voit que bon, si elle dit à au donneur, au celui qui a donné l'argent, tu veux changer mes chaussures? Ok. Merci. Elle se dit que si je dis au celui qui a donné les carreaux que la personne s'est à manger l'argent, ça va les gâter. Là voilà, alors elle part en ligne, elle cherche comment on carrelle le sol. Elle porte ses enfants là, 10, 12 ans, 11 ans, 15 ans. Elle aimait. Elle m'a montré l'espace qu'ils ont carrelé. Natacha Mbeï, qui t'avait tes rituels, elle veut te bloquer. Quel rituel on peut faire? Vous ne pensez qu'à vous. Mon flou, qui est là-bas? Ce qui m'énerve, si vous êtes très égoïste. Vous êtes très égoïste. Pensez qu'à vous. Lève-toi, tu fais quelque chose qui va aider. Fais même le pain chargé. Tu peux donner même dans ton école, l'école du quartier là. Ça aide même trois enfants dans la journée, non? Vous ne pensez qu'à vous? Ah, ça m'énerve. Je n'aime pas. Moi. Et puis quoi? Si tu restes même une semaine, tu ne sors pas. Il n'y a pas un enfant quelque part. Quelqu'un va pas sortir et dire que comment va la maman là? Parce que tu ne fais rien à la vie de personne. C'est pour ça que tu souffres. Tu me suis? C'est pour ça que tu souffres. Il n'est pas. Prends ton temps. Pas. Tu connais coiffer, non? Va t'asseoir le dimanche dans un orphelinat, tu coiffes les enfants. Vous avez toutes les raisons pour être chiche. Chiche. Et moi, je vous connais. Vous qui me suivez là. Chiche. On allait dans les orphelinats à Bafoussam. Comme je suis parlé physiquement, on est en train de rassembler les photos. On va faire un montage et puis on va mettre ça en ligne. La cagnotte s'élève. On a rassemblé en tout. En l'espace de 3-4 mois, on a eu 3 millions et je crois 100 000 francs. Oui. Et là, on est en train de, aujourd'hui, toute cette semaine, fin de semaine passée, on allait distribuer la nourriture dans les orphelinats. Lundi, qui était hier, on est mardi, non?
Oui, on est parti distribuer les cahiers, même à Bafoussam. Maintenant, d'aujourd'hui à vendredi, on va aller maintenant dans les écoles pour payer la facture d'école de certaines de ces orphelinats-là. Donc, on va peut-être, supposons l'orphelinat doit 400 000, on va aller à l'Égypte peut-être avec 200 000. Parce que je crois que ça, chaque orphelinat a quand même d'autres donateurs. Il y a les services sociaux qui s'occupent aussi. Donc, ce n'est pas comme si les orphelinats, là, c'est seulement les... Comme c'est pas comme si on est les seuls, en fait. Donc, on participe un peu. Je veux toucher le maximum d'orphelinats, d'associations. Et on est en train de recenser les centres pour handicapés, les choses comme ça. Donc, dans le futur, si vous avez des biens, vous n'avez plus utilisé plus. Peut-être tu veux changer ta déco. Oui, on est parfois assez riche, si bien que on veut changer sa déco à la maison. Oui. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu envoies ça aux orphelins. C'est comme ça. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours souhaité que... ma présence sur la terre aide le maximum de personnes. Et je me rappelle à l'époque, je pensais toujours dans mon esprit que... même si c'est un enfant... le projet des orphelins, si c'est depuis août 2019... 20, 21, 22, 23, ça fait 4 ans. En août 2019, je n'avais pas encore l'argent. Je prenais mon temps, je prenais mes appareils, mes projecteurs, ordinateurs, je mettais ma connexion. Je parle au final, je m'assois avec les enfants. Si le jour-là, j'ai même un petit 5 000, j'achète la farine. On fait les crêpes. Farine et œufs. Hey, bonjour la mère. Comment non? J'ai suivi tout ce qui s'est passé, mamie. Ah! Ouais, Asia. Pas de problème. Ça m'a fait mal. Bonjour, comment tu vas? Donc, je suis quand même venue ici, me faisais maintenant. Non, c'est pas grave, c'est la vie, non? Je savais que tu étais là, on est descendu. Donc, ça m'a fait bizarre. Ah! C'est ta fille, c'est là? Oui. Regarde comment tu es mignonne. Tu es mignonne comme le soleil. Hein? À tout à l'heure. Voilà la maison là-bas. D'accord, si tu as les fauteuils, il y a Roland, c'est super. Donc, la prochaine étape du projet, c'est que je vais carrément... quand vous avez les choses, maintenant, il faut envoyer. Parce qu'il y a une association en France avec laquelle je me suis mise en partenariat. Ils font souvent les campagnes ici, les campagnes de dépistage. Donc, quand ils viennent, on compte organiser ça une fois tous les 6 mois carrément. Maintenant, tous les dons que vous envoyez... je veux faire de telle façon qu'il y ait toujours de la nourriture. Qu'il y ait toujours de la nourriture. Voilà. Donc, je vais chercher un local qui est un peu plus exposé en route. Parce que si vous êtes venu à Makep, c'est caché. Donc, pour, on va dire pour décembre, comme ça, là. On va chercher un local qui est un peu plus en route. Et puis, ça, c'est pour le contact physique. Donc, si les gens veulent trouver l'endroit, qu'ils puissent venir facilement. Et il y aura des jours où... comme en France, non, les Restos du Cœur, je pense. Je me rappelle à Reims... tous les dimanches, il y avait des gens qui garaient leur voiture. Ils donnaient un bout de pain ou un sandwich avec un café. Donc, les gens pouvaient manger. Donc, mon but, c'est de faire une banque de nourriture où les gens peuvent venir. Tu as peut-être une mère qui a 3 enfants. Et vraiment, ça ne va pas trop côté nourriture. Elle sait que, bon, toutes les semaines, elle peut avoir quelque chose là-bas qui va l'aider. Et je pense qu'on va finir par faire le poulailler parce que j'ai commencé, quand je fais les orphelins, je me rends compte que la nourriture, la viande, les enfants manquent beaucoup de viande, poisson. En fait, on va donner beaucoup de riz, beaucoup de tomates, beaucoup de ceci. Donc, tu vois, les enfants mangent le riz sauce tomate, Mais même la viande, la dernière, bon, c'est très rare. Donc, ce qu'on a fait quand on partait faire les dons la semaine passée, on a acheté la viande. On a vu un boucher, là, ils nous ont fait des bons prix. On a acheté la viande.
En gros, genre, je crois que chaque orphelinat avait la viande de 25 000. C'est quand même beaucoup. Donc, on savait, on sait moins qu'un moment on descend, les enfants là vont manger la viande, ils auront un petit plaisir. Bah, j'ai quand même un peu côtoyé. Quand je partais beaucoup en 2019-2020, je me suis rendu compte que ce qui est normal pour nous dans notre vie de chaque jour, pour eux là-bas, c'est pas. Quand on venait, quand ils faisaient le pain perdu avec eux, le pain rassis peut-être que 500 francs, j'achetais peut-être le pain de quoi, de 3000. Je prends les œufs, peut-être une alvéole de. Non, je prends peut-être même 10 œufs, oui. Parce que le pain perdu ne prend pas beaucoup de. Avec le lait, je prenais quoi, peut-être quelques sachets, peut-être le lait de 1000 francs. On faisait ça, on faisait frire. Et dans le budget, peut-être, ça me revenait à 6000, 7000. Pour nourrir 25 enfants avec ma part et moi-même, ça faisait 27 personnes. Donc, mais le fait d'avoir un truc différent du riz sauce tomate, c'est ça qui me faisait plaisir, en fait. Donc, quand vous arrivez au Cameroun, il faut nous faire signe. À part votre travail spirituel, parce que généralement, quand vous venez ici, je travaille sur vous. Je vous conseille d'aller faire ça à la cadence d'un orphelinat. Donc, si vous pouvez savoir le bonheur qu'il y a de donner. Quand tu pars, tu fais quelque chose de bien à quelqu'un. C'est comme si une force qui se recharge en toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous avez vos villages. On ne connaît pas ton nom dans ton village. On ne connaît pas. Il y a Nicole dans, ou c'est Nicaise. On ne connaît pas Amel. Yvette, on te connaît dans ton village. Hmm? N'attendez pas. N'attendez pas. Parfois, tu vas dire que non, c'est quand j'aurai. Et puis, 8 ans, tu es bloqué là-bas, non? Peut-être que c'est ça qui va même débloquer tes papiers. Tes papiers ont pris 15 000 dollars. Tu es toujours là. Il y a une protection sur les aumônes. Il y a une protection sur les aumônes. Même si quelqu'un a le mauvais cœur, c'est un sorcier. Il vient là où tu es en train de faire le salaka. Il prend, il ne peut rien te faire. Il ne peut pas stopper ta bénédiction. Il ne peut pas stopper ta bénédiction. Tu dois faire de telle façon que chaque mois ou chaque année, quand quelqu'un reste au salaire, il dit que hey, Seigneur, protège maman Yvette là-bas. Seigneur, protège maman Yvette. Écoutez, je ne refuse pas. Vous avez tous les projets. Parce que l'ennemi fait. Et un jour, quand je faisais le direct, on faisait un lavage. Souvent, le temps là qu'elle faisait beaucoup de lavage en direct. Là, une femme à Paris, elle m'a suivi, elle a fait, elle a commencé à manifester. L'esprit qui l'a bloqué a fait, elle a pris son téléphone, elle l'a enregistré, elle a envoyé le voice. Et l'esprit la disait que j'ai bloqué son argent, j'ai bloqué l'orphelinat qu'elle voulait construire. Le diable connaît vos projets caritatifs. Vous me suivez? Et c'est que vous pensez que vous n'êtes personne, non? N'est-ce pas? Moi, je sais maintenant que quand Satan reste comme ça, là, quand il me lève le matin, il dit, oh là là, la fille est encore debout aujourd'hui. Elle va encore aller de quel côté aujourd'hui? I know. Et beaucoup de vos œuvres caritatives, c'est ça qui vous a protégé. Parfois, tu as même fait le bien dans ta propre famille. Ils t'ont tous croqué la main. La main qui a donné, là, ils ont mordu ça le tout. Niam, 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 niam. Tu as eu mal. Mais ça a annulé le truc qu'ils ont parti faire contre toi. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Le spirituel fonctionne. Voilà quelqu'un. On te fait du bien, on te fait du bien. Après, la personne qui te fait du bien, là, accouche. Tu peux bloquer son enfant. Sur le tribunal spirituel, ton blocage ne peut faire qu'un moment. Ça ne peut que durer tel nombre de temps.
vous parler comme ça, beaucoup d'entre vous. Un jour, on était à Damakepe. J'ai reçu les gens. Premièrement, ils sont venus, ils n'ont rien apporté. Deuxièmement, j'avais fait à manger, on leur a donné. Là, on se retrouve dans un cas de situation de figure où il y a 3 bouteilles d'eau, il y a 5 femmes. L'eau, il n'y a même pas le jus, même pas la bière. Je leur dis. Je parle, je dis que, mais. Laissez, non. Est-ce que vous savez qu'elles ont bagarré pour avoir les bouteilles d'eau là? Ça m'a fait mal, je dis, mais attendez un peu. Vous me suivez, vous êtes sûr que vous suivez mes vidéos? Tu te retrouves chez la reine Jocelyne. Tu n'apportes d'abord rien. On te donne, tu as une opportunité de dire à quelqu'un que bon, prends, ça va pas, pas avec. Tu discutes. J'ai insulté les femmes là. Je les ai chauffées le jour jusqu'à. Je les ai chauffées comme ça là. Elles ont eu honte. Mais même comme ça, elles ont pris la bouteille, elles ont gardé. Moi, ouais, vous connaissez toujours pas. On explique l'être humain à quelqu'un qui comprend. Ce qu'on n'a pas bien expliqué. Florent, bonjour. Tu dis que les femmes là, ouais. Toi, j'étais là, tu allais faire la même chose. On vous connaît. Donnez. Il y en a, mamie, vous venez des familles où on est toujours habitué à vous exploiter. Voilà, rentrer. Toi, tu as tes enfants. Hein. Eux, ils ont leurs enfants. Ils ne te demandent pas comment tu as fait pour payer la pension de tes enfants. Ils viennent te demander de payer la pension de leurs enfants. Et Wanda seulement. Bon, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. J'ai pas m'en manger. Laissez-moi. Je crois que vous annoncez clairement que dans la saison-ci, là, il y a beaucoup de combats que vous avez menés depuis 8 mois. Ce 9e mois, si vous allez seulement récolter. C'est le mois de la récolte. Vous n'avez pas récolté un peu, hein? Vous allez récolter beaucoup. Vous allez rester comme ça en une journée. Avant, tu te faisais 50 000. Maintenant, tu vas te faire 500 000 en une journée. Parce que tout ce que tu as déjà semé, ça s'est accumulé. Maintenant, c'est la saison de récolte. C'est la saison de récolte. J'ai fait une vidéo à 1h la nuit. Je vous ai demandé d'élargir vos pensées. Vous pensez trop petit. Vous pensez chiche. Level up, level up, level up, level up, level up. Allez, prends un local qui est plus cher. Prends un local qui est plus grand. Augmente les prix. Améliore tes services. Voyage. 5, 4, 3, 2, let's go. Level up, level up, level up, level up, level up. Oh, you see me so yummy. Nani, 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 nani. Hey. They won't see me, he come. I'm singing, I'm writing. Elle dit que vous n'allez plus me voir.
L'ancienne moi est partie. Elle a disparu. Vous n'allez plus me trouver là-bas. I just keep elevating. Je fais que m'élever. Tu cherchais un local, tu vas te retrouver en train d'ouvrir trois locaux en même temps. Et tu auras l'argent de ça. Tu auras l'argent pour aménager. Hey, hey. Beaucoup d'entre vous, vous parlez comme ça. Là, vous êtes toujours dans la poverty mentality. Les pavas qui me suivent là. Ils viennent vous bloquer sur mon WhatsApp. Beaucoup d'entre vous. Les pavas peureuses là. Monsieur le soleil, bonjour. Oh my gosh. It's only 7. N'est que 7h45. Oh yo, I love this. I love the sun. Tu cherches le local dans quelle ville, la reine Yvette? Quelle ville? Tout le monde bougez, bougez, tout le monde va récoller. Tu dis. C'est ça que je suis contente aujourd'hui. Là. L'argent arrive. Hey, l'argent vient avec l'argent. Vous allez ouvrir beaucoup de comptes bancaires. Vous allez multiplier les devises dans lesquelles vous recevez l'argent. Il y a quelqu'un ici là que le mois de septembre, si tu vas aller dans un autre pays, t'installer. Et il y a quelqu'un ici là que tu avais un Decepticon qui travaillait avec toi, qui abusait de toi. Et cette personne va être exposée. Bonjour la fille de Vanessa. Et ça non? Quand tu me vois pas, tu vas m'appeler. Wow. Il y a les matins. Hier, je vous ai parlé du rajeunissement, non? Ils m'ont enseigné. Ils disaient que vous allez entrer dans une saison où tu vas rajeunir. On va regarder ton corps comme ça là. Hein? Tu vas donner. Premièrement, tu vas aimer ton corps. Deuxièmement, ton corps va t'aimer. Troisièmement, tu vas encore devenir belle. Quatrièmement, tu vas encore devenir jeune. Ça avait le goût jusqu'à. Jesus. Les gens qui me voient physiquement disent que je suis belle là. Vous n'avez pas encore vu la beauté. Attendez. Wait. Je me dis toujours, si tu ne deviens pas ta meilleure version, deviens ta meilleure version, tu vois un peu. Ça donne. Je vais bloquer beaucoup de personnes. Hein. Je vous préviens seulement, les pavas qui me suivent là. Beaucoup de pavas là, vous serez supprimés de ma page. Beaucoup de pavas. La reine Darlene, bonjour. Oh.
Vous ne suivez pas les informations que je donne. Tu as payé pour la consultation de lavage. J'arrive à Yaoundé. Il dit que je suis là. Tu ne vois pas. Est-ce que tu as le groupe d'abord? J'ai un groupe où je communique mes déplacements. Maintenant, tu vas venir. Ne stresse pas ma secrétaire, s'il te plaît, ma chérie. Do not stress my secretary, please. Vous pouvez pas mailler mon couscous. Après, je vous ai mis les pieds au sol comme ça, vous vous rappelez. Mettez les pieds au sol. De connecter avec la terre. Je vais faire ça dans la verdure là-bas. Voilà, petit. Je vais bien manger avec le mbunga. Couscous sauce tomate avec le mbunga. Allez, on va aller manger. La mère veut manger maintenant. C'est bien sur la table. Voilà, alors manger. Oh, petit papillon, qu'est-ce qui se passe? Ah, une poule t'a piqué. Ta secrétaire est toujours menacée. Ah bon? Elle est rentrée quand? Demi, moi. Oui. En fait, 5 jours. Ah. Donc, le